important maintenant de poser le genou par terre. Poser le genou par terre. Voilà. Maintenant, mon genou est levé, l'autre genou. Et là, vous avez la possibilité de faire quelque chose. Donc vous allez mettre tout de suite le pied derrière son dos. Ah, parce que puisque j'ai levé le genou, je mets le poids sur le partenaire pour pousser. D'accord. Et tac. Le pied derrière son dos. Mais la condition qu'il faudra absolument, mon genou doit passer dessous mon bras. C'est-à-dire que en étant dans cette position-là, je cherche la ceinture. Je cherche la ceinture pour immobiliser. D'accord. Ou je cherche la tête. Et cette fois-ci, vous cherchez la ceinture. Vous verrez après pourquoi. Je cherche la ceinture et je pousse le partenaire. Lui, essaie de tourner à plat ventre. Lui, tourne à plat ventre. Voilà. Je pousse. En poussant, je passe. Donc, quand on passe le genou dessous mon bras, je chope ma cuisse avec ma main droite. La main qui tenait le bras. Je passe le genou et chercher la cuisse. Et continue à tourner. Arrive à ce dessous. Et maintenant, c'est efficace quand on tient la ceinture. Alors, si je ne tiens pas la ceinture, lui, il va à foutre. Donc, il faudra absolument tenir la ceinture. Mais par contre, ça remonte à la difficulté parce que quand vous avez passé la jambe derrière, vous tournez, souvent le genou devient à l'extérieur. Là, vous ne pouvez pas contrôler. Vous pouvez passer les méduses. Le bras, il est efficace. Donc, la ceinture. Utilisez le bras, le partenaire, passez la main sur la cuisse. Il y a deux choses. Passez le pied derrière le dos, le genou tout sous mon bras, votre bras gauche, on tient la ceinture, et la main contre la cuisse. Bon. Donc on allie. Comme ça. Poussez. Reviens. Tu tournes, tu passes, cherche la ceinture. Et ici, vous ne pouvez pas le tirer facilement. Donc en gardant la tension, vous cherchez votre revers. Et vous allez lever les coudes jusque le poignet.